À bientôt 21 ans, Charlotte Gautreau a décidé de revenir aux affaires après une longue absence consacrée à ses études. Un arrêt qu'elle ne regrette pas malgré le palmarès qu'elle s'était forgé par le passé. C'est comme ça, hein. C'est pas, y a pas de regret. Y a pas de regret puisque j'ai réussi à entrer dans une certaine forme d'élite à l'aviron, donc déjà avec mon titre et puis ma sélection au moins de 23. Donc je pense que j'ai aucun regret, même si je devais arrêter l'année prochaine, puisque si mes études ne pouvaient pas me permettre, je serais vraiment heureuse d'avoir acquis ce niveau en aviron. Finalement, le démon de l'aviron a fini par avoir le dernier mot et Charlotte n'a pu s'empêcher de reprendre l'entraînement malgré des difficultés évidentes pour pouvoir ramer quotidiennement. Ah si, ça démange tout le temps. Au quotidien, je pense que on a un entraînement soutenu et c'est un peu une drogue de se dépenser, de se donner à fond. Et c'est vrai que des fois physiquement on a besoin de se vider la tête. Et même si à Paris je peux pas faire d'aviron, c'est vrai que d'aller courir 1 heure ou d'aller en salle de sport, je peux pas m'empêcher. Donc c'est vrai que c'est un peu dur. Évidemment, il va falloir attendre encore pas mal de temps avant de voir Charlotte retrouver son meilleur niveau. Sa saison 2009 est d'ores et déjà fichue, mais l'objectif numéro 1 de l'Auboise n'est pas vraiment là, puisque la rameuse troyenne pense avant tout aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Bah, c'est vrai que 2012 ça m'intéresse. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les sports, je pense, il y a une préparation d'au moins 3 ans avant. Donc il faut acquérir un niveau national très haut 3-4 années avant. Donc là, c'est la première année donc, où j'ai pas pu faire les championnats. Mais si je me rattrape bien l'année prochaine, les années d'après, il y a des chances pour que la Fédé se retourne vers moi et que les Jeux soient accessibles. Forte d'un titre de championne de France en skiff acquis en 2006, ainsi qu'une bonne sixième place au championnat du monde junior 2005, Charlotte Gautreau sait très bien que ce sera difficile de retrouver un tel niveau, mais l'Auboise a la patience et surtout la motivation pour y arriver.